Toumani Diabaté, musicien malien qui joue la kora, est largement connu pour ses œuvres artistiques au Mali, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Né dans une famille de griots, il embrasse vite ce genre musical. Toumani Diabaté, qui a connu ce succès grâce à la kora, estime que la musique africaine n'est pas si différente de celle d'ailleurs, car, explique-t-il, elle est riche malgré le fait qu'elle ne soit pas assez exploitée ailleurs. La kora aujourd'hui, comme je dis, elle est un peu partout. Elle est partout, dans le, que ce soit du reggae, de la musique électronique, du rap. Et là, maintenant, tout récemment, dans le coupé décalé avec le zouglou, etc., etc. Hein, c'est quand même très, très important qu'on sache, parce que l'Afrique, comme j'ai toujours dit, l'Afrique, par sa culture, a beaucoup à donner, a beaucoup à faire apprendre au reste du monde. Le niveau d'apprentissage et de professionnalisation de la musique africaine traditionnelle interpelle le chanteur. Selon lui, le niveau est encore très bas et nécessite un certain changement en termes de mentalité. Mais pourquoi ces instruments ne sont pas admis dans des écoles, dans les conservatoires, dans nos pays? Pourquoi? Pourquoi on dit à un professeur de cet instrument ou de ces instruments traditionnels dans nos écoles en disant non, il n'a pas de diplôme? Mais c'est quoi le diplôme de Michael Jackson personnel? Quel diplôme Mohamed Ali en a eu pour faire la boxe? Le lauréat des Grammy Awards 2006 dans la catégorie de meilleur album de la musique traditionnelle joue la kora, un instrument de musique bien connu en Afrique de l'Ouest, mais ne s'arrête pas là, car il pense aussi à élargir cette culture qui semble avoir des limites jusque-là. Le griot lance un appel aux écoles spécialisées de la musique. Le genre et les instruments musicaux africains devraient y trouver place. C'est la kora, c'est le balafon, c'est le petit djembé qu'on donne aux enfants. Voilà, un enfant qui est né avec ça sous la main, qui a appris ça dans la famille, et aujourd'hui il s'en va au conservatoire pour apprendre à jouer, et à lire et à écrire la musique, mais on va lui faire apprendre le classique, ou la musique classique européenne, ou quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'il connaît, il va recommencer ça à zéro. Mais plutôt, il faut lui apprendre, donner-lui la chance de développer les instruments qu'il a commencé à apprendre dans la famille depuis un an, deux ans, trois ans.